Sébastien Garateau, comment se porte Bob Deagle avant la course? Mais Bob Deagle, il se porte bien, le cheval va bien, il est pas malade, tout va bien, il est en bonne forme, donc je pense qu'il va arriver dimanche prochain en pleine forme. Comment analysez-vous ces deux belles courses de l'hiver? Analyser, le cheval est super bien, il a bien couru caché, il est venu finir à chaque fois. L'autre jour un peu loin, mais il a quand même bien fini. Donc on a tout acquis, on peut les devant si on veut. Et il peut les cacher. Donc c'est bien pour le prix numérique, c'est bien. Vous le pensez aussi bon que l'année dernière ou meilleur? Aussi bon, meilleur, je sais pas, mais pareil quoi. Comment juger l'opposition? L'opposition avant l'hiver, je craignais surtout Lionel et puis Bélina Josselin. Bélina est un peu décevante, je trouve. Après Jean-Mi, je pense qu'il va faire ce qu'il faut pour être au top le jour J. Et Lionel, déféré des 4, je pense qu'il est bien meilleur. Donc ils vont déférer des 4 et là, il faut faire attention quand même. Le doublé, logiquement envisageable? Sur le papier, on a quand même le meilleur cheval. Donc après, oui, on peut faire le doublé, oui. Le temps, le défilé, tout ça, ça joue plus pour lui maintenant? Bon, ça n'a jamais joué. De manière, c'est un cheval un peu nerveux, mais qui est gentil. Donc lui, en fait, il a envie, c'est d'en découdre. Donc c'est tout. Donc le cheval est bien. Et derrière, c'est une fusée hein, quand il peut partir. Quand il court caché, ouais, c'est un cheval qui a 200 mètres. Je pense qu'il n'y a pas un cheval en ce moment qui est aussi bon que lui sur 200 mètres pour faire un bout. Donc ouais, c'est un super cheval.